Les gars, ici Mun qui dit le œuf. Et on se retrouve pour la vidéo invocation que je vous avais promis avec le portail Utah gratuit et on va avoir notre Roger Angel, les 50 diams. Donc on va commencer par le portail où on n'a aucune garantie, donc le Utah. On peut avoir Utah comme rien du tout. Donc, on peut avoir dans ce portail Utah et tous les fragments du troc jusqu'à ISO. Donc, tous les persos troc jusqu'à ISO, ça veut dire qu'il en manque 4, si je ne me trompe pas. Donc, on a 6 chances sur des recrutements de 5 personnages. Et on finira, comme la dernière vidéo, par un petit gameplay. Enfin, une petite partie. Et d'ailleurs, dans la dernière vidéo, je vous ai dit que je ferai des reviews des chapitres. Si vous likiez la vidéo, mais j'ai pas dit combien de likes. Donc, je vais fixer une barre à 100 likes. Écoutez, ça prend beaucoup de temps, le montage, etc. Moi, j'ai d'autres choses à faire, donc on vise très haut. Comme ça, j'ai le temps de me préparer et tout. Bon, commençons l'invocation. J'espère avoir des persos qui sont pas level 100 ou que j'ai pas, hein. En vrai, des persos du troc, il m'en manque pas mal. Bon, déjà, les coffres brillent pas. Pas de drapeau doré, mais gros 32. Bande rouge. On a une petite chance de l'avoir, je pense. Hermès. Attention à 4 étoiles, oui. Alors défenseur, c'est pas Outa, U rouge. Je l'ai pas déjà level 100 lui. Ta, aïe aïe, du cola. Bon après c'est gratuit, donc ça va, mais bon, on va dire que si je pouvais avoir Outa, qui est quand même un personnage SBF gratos, pas de coffre, ça commence mal. Drapeau rouge. J'ai Grove 14, bande noire. Oula, là c'est extrêmement mauvais. On va rien avoir. Hein. Je skip. Si on a un 4 étoiles, voilà, on n'en a pas. Ça aurait été incroyable comme chance. Allez, c'est bon. Ok, toujours pas de coffre. J'ai que des drapeaux rouges, hein, c'est totalement abusé. Gros 27 bandes rouges. Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais, hein. De la chance, même pas de perso 4 étoiles. Aïe, 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 aïe. Allez, encore 3 tentatives. Toujours pas de coffre. Oh, drapeau doré. Ah, gros 14, bandes rouges. C'est quoi ces... Les animations ne vont pas du tout ensemble, les gars. Non, mais c'est une blague. Bon, la probabilité fait que normalement je vais avoir un 4 étoiles au prochain tirage. Alors, des coffres. Drapeau. Mais pourquoi j'ai que des drapeaux rouges quand j'ai des coffres? Bande noire. Bon, donc on va encore rien avoir. Sérieusement? Non. On n'a rien eu. C'est une blague? Mais pourquoi? Allez, tout sur le dernier. Outa. Outa SBF. Maintenant. Il y a des membres de l'équipage. Il n'y a pas de coffre. Drapeau doré. Grove 14. Bande noire. Attends, attends, bande noire. Grove 14, on va même pas avoir de 4 étoiles. Tu te fous de moi. Le jeu se fout de ma gueule. Sans déconner, on n'en a pas eu un. C'est scandaleux. Je vais me plaindre à Bandai. Non mais vraiment quoi. J'ai eu un perso 4 étoiles sur 6 tirages. Bon, après, il va en rester d'autres, vu que le portail gratos c'est pas fini, mais
Je vous le montrerai peut-être en vidéo, je sais pas. Alors. Non. Voilà. Bon, au moins on va se rattraper avec un portail qui va faire extrêmement plaisir vu qu'on va... Déjà, on va avoir un multi-tirage de 11. Si ça se trouve, on aura direct le Roger. Et dans tous les cas, même si on l'a, on aura un ticket Roger. Donc, si on a une chance exceptionnelle et qu'on a Roger, tout simplement, bah, ça veut dire qu'il sera déjà level 70 grâce au deuxième tirage. Et il y a tous les BF, je suis en train de regarder, de me rendre compte, mais... Il y a tous les BF, hein. Marcos et Peros, enfin Slurp sont les plus récents. En vrai, Marco Wano j'ai, Jose j'ai. Après, il y en a plein que j'ai pas. En vrai, un Jack, un Shiryu, ou Page One Ulti, ça serait incroyable. J'ai rien de garanti. Ok, j'ai 40 points de recrutement, aucun perso 4 étoiles garanti. Allez, de la chance! J'ai fait 5 tirages sans coffre doré, brillé, coffre doré. Mais j'ai que des drapeaux rouges. Hein. Trouve 14 bandes noires, mais j'en ai marre. Les animations, elles vont pas ensemble depuis tout à l'heure, là. Hein. Mais bon, je pense quand même avoir un 4 étoiles. Un perso du troc. Dis-moi que j'ai raison. Dis-moi que j'ai raison. Allez. C'est une blague. C'est une blague. C'est une vaste blague. Vous foutez de ma gueule. Et pourquoi? Bon, eh bien... Moi, on a un Roger, hein. Écoutez, c'est le seul nouveau perso 4 étoiles que j'ai. C'est un SBF, ok, c'est incroyable et tout, mais qu'on se rende bien compte, sur 41 personnages, j'ai eu un seul 4 étoiles, c'était un que j'avais déjà level 100, c'est un scandale. Non, mais en vrai, c'est un scandale. Bon... Au moins, premier SBF. Bon, bah du coup, c'est lui qui va être en miniature de la vidéo, les gars. Non, mais... C'est scandaleux. Ah, c'est tout. C'est vraiment, c'est du foutage de gueule. Ce portail, on va pas le faire. Lui, il est pas fait. Non, mais en vrai, honnêtement, les gars, c'est scandaleux. C'est ce que c'est totalement scandaleux. Bon, bah on part pour une game. Après avoir récupéré ceci. Donc, petit point sur les diamants qui sont toujours stockés dans les cadeaux. On est à 23. En une journée. Hein. Ça fait plaisir. Même si j'avoue que ça aurait fait un peu plus plaisir, un BF que je n'avais pas sur le portail Roger, ou juste un 4 étoiles, voire Outa carrément, ça aurait été un peu mieux. D'ailleurs, je suis monté en Ligue S, du coup. D'ailleurs, j'ai eu un sum infini, c'est... vous avez vu la game où j'ai perdu, la game d'après, je l'ai gagné, j'étais dégoûté. Voilà, donc si je perds et que quand je coupe la vidéo, je gagne celle d'après, ça sera un signe que vous me portez malheur. Vraiment. Et du coup, j'ai eu le titre d'Ace d'ailleurs, donc va falloir que je le jarte de mon équipe. Mais je sais pas qui mettra la place pour l'instant. D'ailleurs, comme vous le savez sûrement, dans 5 jours, au moment où je tourne la vidéo, il risque d'y avoir un portail SBF incroyable et tout. Comme j'aurais
pas assez de diamants pour invoquer, à part si Bandai pète un plomb et fait genre cadeau 1000 diamants pour finir les 3,5 l'anniversaire des 3 ans et demi. Je ne pourrais pas invoquer sur ce portail du futur. Donc je ferai une vidéo où je vous montrerai que ce portail existe. Voilà, je vous dirai c'est quoi le portail par étape et ainsi de suite, vous obtenez quoi à chaque étape et tout. Je ferai une game, mais j'invoquerai certainement, je n'invoquerai pas dessus. Je suis en train de me faire démolir. Akainu, tu veux pas genre partir ou mourir? C'est très compliqué cette game. Non, Barbe Blanche, bouge, il est à moi. Barbe Blanche, je te le laisse. Let's go. Ouais, non, par contre, faut pas m'abandonner là. Oula. Recule, Yamato. Recule. Je t'avais prévenu. Va-t'en. Planque. Je me planque. Vite. Très bien. Là, Yamato a capturé le tas de trésors. Oh oui, le barbe blanche. GG. Vas-y. Vas-y, poteau. Je vais aider l'autre là-bas. Bonjour. Tu... Ah, je fais un... Wesh, calme-toi avec ton Ryuo, le fion Nigashima, là. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous ferai une petite théorie sur quel sera le prochain SBF. Parce que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a de fortes chances que ce soit un nouveau SBF. Par rapport au fait que l'année dernière, à la même date, il y avait eu le Akainu SBF, qui était un nouveau SBF à cette époque-là, et ainsi de suite. Donc, on va partir du principe que leurs théories sont justes. On se fait allumer. Très bien. Help. Help. Donc, je vous ferai une petite théorie sur, pour moi, qui sera... Quelles sont les possibilités pour le nouveau SBF. Non, mais... Allez. Mais laisse-moi partir! Non mais les gars, vraiment, je vais croire que vous me portez la poisse, là, vous. Là, je peux rien... Oh oui! Allez, capturez! 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 Je crois en vous! Bouge, Yamato! Bon, bah, les gars, vous me portez la poisse, je vous hais. C'est une blague, évidemment, mais... vraiment... Et j'ai trouvé un nouvel objectif, les gars, pour toutes les vidéos sur One Piece Bounty Rush. J'ai trouvé un nouvel objectif, gagner en vidéo. Par contre, c'est scandaleux. Pourquoi eux, ils ont 4 joueurs de Ligue S et nous, hein, en Ligue S-, c'est du foutage de... Pourquoi? Non mais par contre, vraiment, toujours plus de défaites. Très bien, j'ai rempli une mission. Quelle est-elle? Voilà. Donc, ma théorie sur le prochain perso SBF. Bon, si vous n'êtes pas à jour... Dans les scans, ça va spoil. Voilà, j'ai prévenu. Si vous faites spoil, c'est que vous avez décidé de vous faire spoil. Alors, je vois deux possibilités. Pourquoi? Enfin, quelles sont-elles? Déjà, le seul portail SBF qui reste, enfin, qui va rester, c'est celui d'Uta. D'ailleurs, c'est quoi le taux de proba? Quel est le taux de probabilité? Alors, portail payant. Hein. Ah, mais les... Ah oui, 1% à l'affiche, effectivement, c'est pas mal. Donc, c'est Uta. C'est le seul portail qui va rester. Donc,
Pour moi, s'il y a un nouveau SBF, sera en lien avec le film Red, puisque c'est quand même le seul portail qui va rester parmi tous les autres, gratuit, SBF, normal. Donc, pour moi, ça aura un lien avec le film Red. Et c'est là où ça va spoil pour ceux qui ne sont pas à jour. Donc, dans le film Red, en SBF, je vois que deux possibilités. Soit le Shanks, donc un Shanks vert, vu que c'est la seule couleur qu'il n'a pas, enfin, fonceur vert même, vu que c'est aussi le seul type qu'il n'y a pas. Il y a déjà un défenseur rouge et un attaquant bleu. Ou quelque chose qu'on a vu à la toute fin du film Red, Luffy Gear Fif. Ce qui serait logique aussi. Il est dans le film Red, même si les gens l'attendent pas du tout, il pourrait très bien tomber. Bon, sur ce, moi, je vais arrêter la vidéo là, parce que sinon, elle va devenir trop longue. Donc, likez la vidéo si elle vous a plu, ou si vous voulez que je fasse des reviews, des scans. N'oubliez pas, 100 likes minimum sur cette vidéo. Durée, je sais pas moi, un mois après que la vidéo soit sortie, ça sera l'extrême limite. Et sur cette vidéo ou une autre, d'ailleurs, hein. Si vous voulez voir mes autres vidéos, abonnez-vous. Il y a notamment l'invocation sur le portail Roger. Et sur ce portail, j'ai fait une fois l'étape. Enfin, toutes les étapes. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Monkey D. Love.